Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très grosse vidéo parce que nous sommes au VBC Bali Park. Comme vous pouvez le voir, les bosses sont juste énormes. Alors aujourd'hui, on va tenter de rider les plus grosses bosses du spot, envoyer un max de tricks. Oh. Donc sur ce, bon visionnage. Bon, bah on vient d'arriver au VBC Bali Park et on va directement partir pour s'échauffer sur la piste bleue. Elle s'appelle la Crankit. Je vous mettrai le nom des pistes en bas à gauche ou à droite, je sais plus. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps, on va rider. Allez, let's go, première piste de la journée. On y va tranquille. En plus, je connais pas, j'ai jamais roulé ici. Ouah, il y a de la boue. Ah, je suis plein de flotte. Pas la speed. Ok, bah une belle petite piste, mais bon, un peu de boue. Bon, bah là, comme vous pouvez le voir, on est sur la piste Elite. C'est de la Airline ou Double Noir, je sais pas comment vous appelez ça. Et là, on est sur l'un des plus gros sauts du spot. Donc je pars de là, tu ratterris là-bas, t'enchaînes avec les deux doubles et t'as une boss à tricks là-bas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette piste, on va aller la rouler. On va essayer aussi de mettre pas mal de tricks. Donc nous, on va se réchauffer encore sur une petite bleue. Et donc, à tout à l'heure. Et let's go, on part sur deuxième piste. Là, on est sur la Flowy ou Flowly. Je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai jamais fait, donc on y va tranquille. C'est toujours un peu gras, c'est dommage, même très gras. Ouah, alors là le virage est démonté. J'ai pris la mauvaise trage. Allez, on va essayer de rouler sur la planche. Comme vous pouvez le voir, elle est super fine. Je sais pas ce que ça va donner. Let's go. Allez, on repart sur la Flowy. Ok, il faudra que je prenne une variante. Et là, on va essayer de mettre un petit canne. C'est propre, c'est passé. Nickel. Allez, let's go, on part sur la Red Hot. Je crois que c'est une piste rouge. Wow. Cette fois, on va essayer de mieux passer les bosses et pourquoi pas. Nickel. Allez, let's go. On part sur la piste noire. Ok, là ça tire. Ah, c'est gras. Ça vient de me recrépir. Ouah, ça passe tout juste. C'est méga gras. Et j'aurais pas la speed. Ouah. Elle est tellement bien roulée que bon. Wow, méga long. Ouais, bah quand tu veux.
Et c'est parti, on part sur la double noire, c'est la airline. Wow. Wouhou! Oh, y a un bon airtime! Wow! J'ai bien kiffé l'affaire! Wow! Oh! J'ai failli me tuer. Ah ouais? Ouais. Ça? Sur la dernière. Ouais, t'as vu, c'est dingue. Hey, let's go, on va tester une nouvelle piste. Ça s'appelle la slide. A mon avis, c'était une connerie. Parce que vu qu'il a plu et que c'est gras, vu la gueule de la piste avec tous les dévers, tout ça, je pense que c'était pas la meilleure idée de ma vie. Ok, là, cette petite passerelle. Ah, la flotte. Ah bah, je l'ai faite une fois, je la referai pas. Et je remonte, je vais repartir sur la piste rouge, je sais plus son nom. C'était bien cool, donc je vais repartir là-dessus. Et après, je pense que j'irai manger. Et toc, là, j'ai appris qu'il y avait une petite variante, que tu pouvais prendre le début de la noire et rechoper la rouge. Donc toc, c'est ce que j'ai fait. Oh non. Bon bah là, comme vous pouvez le voir, je viens de faire un bon petit run sur la rouge. Malheureusement, j'ai raté une bosse sur laquelle je voulais faire un suicide. Oh non. Donc c'était pas très propre. Je vais essayer de refaire un petit run parfait. Tout à l'heure. Là, on va essayer de faire. Hein. Ouais, j'ai testé un whip sur la première. C'était ghetto. Donc là, on va tenter une petite reset manual. Allez, c'est validé. On part manger. Allez. De nouveau sur Flowy, là, la petite piste bleue. Allez, on repart encore une fois sur la rouge, mais elle est tellement kiffante. Oh. Ah, je me suis arraché la jambe. Ah, ah, je me suis arraché la jambe. Ah, ta ta ta. Ah, je saigne. Ah, mais chier. Ah.
Je suis niqué. Comme vous l'avez vu là, je me suis à moitié ouvert le tibia. Regardez. Voilà. Donc là, j'ai pris, bien sûr, j'ai mon petit kit de secours toujours dans mon sac. Donc là, je vais aller mettre un petit pansement sur la jambe parce que honnêtement, ça pique. Je sais pas si vous voyez en vidéo, mais il y a vraiment un bon gros trou quand même. Le picot il est bien rentré, donc ça a fait bien mal. Je vais mettre le petit pansement et après je vais essayer de retourner rouler. Allez, let's go, on repart sur la rouge. Ah, j'ai roulé dans la boue. C'est mon premier run après m'être niqué le poignet. Donc là, j'ai pas envie de me reniquer le poignet, donc je fais gaffe. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas le poignet, c'est le tibia. Ah. Comme vous pouvez le voir, je trixe pas la grosse parce que en fait elle envoie sur l'avant. Il y a un mec qui s'est éclaté dessus il y a genre 25 minutes. Et vu que week-end prochain j'ai un très très gros truc qui arrive, j'ai pas envie de tomber, donc excusez-moi, il n'y aura pas de tricks sur celle-ci. Donc la petite suicide. Ouah, je suis mis méga long. Ouah. On part sur la rouge. Ouah. Ouah. J'ai failli me buter. Allez, on repart sur Chromato. Je l'ai faite ce matin, c'était gras. Donc là on est l'après-midi, j'espère que ça aura séché un petit peu. Ouah, c'est quoi ça? Ouah, c'est méga gras. Et hey, let's go, on va rouler le step up. Oh, mais c'était nul. Yes. Yes. Oh. Un peu long. Oh.
Et comme vous l'avez vu, on a fait une bonne petite session sur la bosse à trix, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'elle est vraiment toute petite. Mais je suis content. J'ai rentré mes premiers KS. Si vous validez, dites-le moi en commentaire si vous validez mon KS ou si vous pensez que ça ressemblait pas du tout à ça. Et donc là, on repart sur Airline pour la je sais pas combienième fois de la journée, mais cette piste est trop bien. Regardez quand même, parce qu'on se rend pas trop compte quand on roule, mais regardez quand même la taille de ce gap, c'est quand même énorme. Ça fait, je pense, genre deux fois ma taille en hauteur. En longueur, c'est quand même bien long. Comme quoi, la GoPro ça aplatit beaucoup de choses, parce que il est vraiment mastoc le gap. Hot, let's go. Fait du bien d'avoir un peu d'air, parce qu'on dirait pas, mais il fait quand même bien chaud. Bon, bah malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez surkiffé le ride, le bike-park, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre votre meilleur pouce bleu et lâcher vos petits abonnements. Regardez, il y a encore des gens qui y vont. Vraiment, je recommande ce bike-park, c'est un truc de dingue. C'est pas très cher, c'est 14€ la journée. Bon, je vous mens pas, c'est un peu crevant de remonter, mais vraiment une très belle découverte. Je recommande et je vous dirai plus. Portez-vous bien, c'était Rider Dor.